Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Princess Peach Showtime. On a bien avancé la fois dernière, on a fini le dernier étage et les derniers étincellistes ont été sauvés. Donc on va pouvoir voir ce qui se passe derrière cette grande porte avec la tête de Syrah. Dites donc, ça fait peur! Ce pouvoir est plus puissant que tout ce qu'on a affronté jusqu'ici. J'ai peur, mais on y arrivera. Allons-y, Peach, le pouvoir de l'étincelle est de l'autre côté. Est-ce que tu peux me donner quelques gemmes d'étincelles que tu as ramassées? T'en veux combien maintenant? 30, bah je suis large! Ça me paraît difficile de ne pas avoir toutes les gemmes à chaque fois. Je rappelle qu'il y a la soluce complète du jeu sur ma chaîne aussi, hein, si vous voulez, pour finir tout à 100%. Pas assez puissant? Mais ça marche pas! L'étincelle est sans effet sur cette porte! Ah, les étincellistes! Vous avez maintenant besoin des esprits étincellistes et de notre amour pour ce théâtre. Vous avez toute notre confiance. Allez, envoyez votre pouvoir aussi en direct sur Twitch et dans les commentaires YouTube, c'est le moment. Waouh, Peach resplendissante. Eh ben, elle vole. Nous voilà munis de la force de chacun. Allons-y, Peach. Alors, qu'est-ce qui nous attend derrière? C'est quoi les pouvoirs de Peach resplendissante? Donc, il y a bien une dernière transformation. Intéressant. Ouais, c'est une sorte de super pouvoir, c'est Peach Super Saiyan. Oh. Bienvenue sur ma scène grandiose. Je t'attendais, Peach. Grâce à ton talent inestimable, tu as su redonner espoir à tous ceux dont tu as croisé la route. Sache que je vais réduire absolument tous ces espoirs à néant et créer la tragédie du siècle. Ah, j'ai tant attendu ce moment pour terminer mon œuvre ultime. J'ai besoin d'un faire-valoir. Tu conviendras parfaitement. Place à la tragédie! En scène! Alors, j'ai l'impression qu'on est sur une arène ronde. D'accord, donc faut que j'évite ces... Pour l'instant, c'est un shooter, quoi. Voilà. Oh.
Wow. Ok, je peux accélérer en appuyant sur A. Heureusement. Ah non, c'est même pas en appuyant sur A. J'accélère tout seul si j'arrête de tirer. Il y a un train là. Allez. Oh là. Attention. Allez, plus qu'une plume là. Si c'est en trois phases comme les autres boss, on y est presque. Et bim! C'est le bim. Et ma couronne maintenant. Nous avons réussi! Merci Peach! Ton étincelle est vraiment incroyable! Le théâtre va reprendre son état normal. Retournons voir les autres. Nous sommes loin d'avoir terminé. Nous n'avons même pas joué le grand final. Peach, mes pouvoirs sombres vont éteindre ton incessante étincelle, et cette tragédie aura lieu ici même. Surprise. Alors, qu'est pas ça? Ouf. Ah oui. Rigole pas le boss de fin. Notre théâtre, il est en miettes. Si on laisse faire Syrah, l'île entière disparaîtra et le rideau tombera pour de bon.
Allez, Peach, c'est à nous. J'ai pas peur. Attends, commande. Maintiens B pour attaquer. Ok. Ok, maintenant c'est avec des rayons. Ah. Oh. Ah, le masque se fendit petit à petit. Là. OK. Sainte Peach. Hein. Cette fois-ci, ça a l'air d'être bon. Ah, on a sauvé le théâtre. Enfin, ouais. Eh ben. Bon, et ma couronne. Trop mignon. Très très mignon comme jeu du coup. Allez, comme d'habitude, on va honorer les crédits et remercier chaque personne qui a contribué du coup à ce jeu. Et moi, j'en profite aussi pour vous remercier, vous derrière votre écran, que ce soit en direct sur Twitch ou sur YouTube, de suivre mes péripéties.
Ça part un peu court quand même comme jeu, hein. Ça on va pas se le cacher. Good Feel, bah oui, on ressent le feel good dans le jeu. Good Feel, c'est le studio qui est notamment responsable des derniers Kirby, Epic Yarn, tout ça. De Yoshi aussi, les Woolly World, qu'on retrouve ce gameplay très très accessible, très très facile, avec quand même un petit peu d'exigence pour ce qui est du 100%, qui est pas si simple. Effectivement, c'est pas si simple dans Princess Peach Showtime, avec les bons et mauvais côtés. C'est-à-dire que je trouve que parfois, quand il faut à tout prix réussir une séquence et qu'il faut refaire tout le niveau pour récupérer du coup l'étincelle, c'est parfois un chouïa abusé. Mais voilà. Bon. Quand on peut pas faire demi-tour par exemple sur certaines séquences, se dire ah mais tiens, il y en avait une là. Et bon, bref. Mais voilà, j'aime beaucoup le feeling. Le côté transformation, évidemment, ça nous fait bien sûr beaucoup penser à Kirby. Donc là aussi. Il y a peut-être un lien dans le concept. Mais j'aimerais bien que ça devienne une licence, un petit spin-off en fait, hein, qu'on puisse avoir une suite. On n'avait jamais eu de suite à Super Princess Peach. Bah là, ça pourrait être l'occasion d'avoir quelque chose qui est un peu plus différenciant de Mario, justement. C'est ça qui est bien, c'est tous ces différents gameplays. On peut les retrouver dans un prochain jeu. Un peu plus poussé, ce serait bien d'ailleurs. Encore plus poussé. Avoir des phases encore plus différentes les unes des autres. Et peut-être un peu plus exigeantes aussi, en termes de difficulté, pourquoi pas. La Reine des Neiges. Enfin voilà, on n'a pas fini le jeu pour autant, parce qu'évidemment, si on veut avoir tout à 100%, il faut qu'on aille chercher les dernières étincelles qu'il nous manque. Il nous manque quoi d'autre? Il nous manque aussi... je sais pas. Non, c'est tout. Si, les répétitions! Je me disais aussi qu'il manquait un truc dans ma tête. Les répétitions, faut qu'on fasse les répétitions, qu'on voit à quoi ça ressemble. Et puis il faut qu'on essaie aussi d'acheter toutes les tenues, bien évidemment. Ben voilà, un jeu de good feel qui est très feel good justement. Et ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a un costume que j'ai préféré parmi tous? Le costume de pâtissière était très mignon. Après, en termes de gameplay, c'était pas toujours les plus... Oh, elle aurait survécu. En termes de gameplay, c'était pas forcément les meilleures phases, pâtissière. Mais quoi encore? En termes de gameplay, qu'est-ce que j'aimais bien? Moi, j'aimais bien les phases d'action. Épéiste, par exemple, très très beau costume et des phases vraiment intéressantes. Donc j'aimais beaucoup Épéiste. Qui on voit la sirène, oui, c'était sympa. La Kung Fu, c'était marrant. Ouais, je pense que c'était Épéiste. Ah, ma couronne, d'ailleurs. Elle est là. Merci, Toad. On s'habitue finalement à voir Peach sans couronne. Hein. En même temps, il y a le petit nœud, hein, comme ça, pour... Le petit nœud aide à se dire là quelque chose sur la tête, mais... Mais elle est mignonne avec son petit nœud comme ça. Hmm.
Hop, on retire le ruban. Est-ce qu'on va débloquer quelque chose d'avoir fini le jeu? Attention, suspense. Je vais récupérer ma tête couronnée. Ah oui, ils prennent le temps jusqu'au bout. J'aime bien comment elle tient sa robe. Il y a du monde, hein, mine de rien. Ah, on arrive à la fin, là. Shuntaro Furukawa. Et voilà. La boutique a une robe spéciale en rayon. Parlez au vendeur pour en savoir plus. Ah, vous pouvez à présent décorer le théâtre. Parlez au vendeur pour en savoir plus. Vous pouvez relever le défi des cachettes. Parlez à l'état céleste ninja pour en savoir plus. Vous pouvez relever le défi des boss, regarder les affiches dans les escaliers pour en savoir plus. Eh ben, on débloque un pas mal de trucs, dis donc, pour cette fin de jeu. Décorer le théâtre et une nouvelle robe. La robe de Syrah, mon dieu. Bon, on va aller voir un petit peu tout ça. Showtime. Showtime. Décorer le théâtre. C'est drôle. Et puis on ira à la course aussi aux étincelles manquantes. Bien évidemment. Peach, tu es là! C'est super, ça veut dire que tu as lu ma lettre! Tout le monde veut te revoir jouer! Alors est-ce que tu accepterais de jouer à nouveau dans le théâtre de l'étincelle? Youpi, merci! Le théâtre te propose un choix plus varié. On va regarder ça ensemble. Peach, par ici! On va aller voir ça. Il y a deux personnes. Ah, c'est à l'autre que je devais parler. Alors attends, je vais voir. Robe spéciale super héroïne, c'est laquelle, la robe pour le boss de fin? Ce serait celle-là? Ah oui, la robe de Syrah, du coup. Celle-là est superbe. Ah non, la robe resplendissante est beaucoup plus belle. Et le ruban Syrah. On va garder un petit peu de sous quand même, mais j'en viens très splendissant pour... Oh là là, c'est beau. Et donc toi, Peach, sois la bienvenue. Je te suis vraiment reconnaissant de nous avoir débarrassé de Syrah. Accepterais-tu de nous aider une dernière fois?
J'aimerais utiliser le pouvoir des gemmes d'étincelle afin de décorer le théâtre. Est-ce que tu pourrais m'aider à décorer le théâtre? Cela ferait le bonheur des spectateurs. Ah, plus je récupère de gemmes, plus ça... Ah oui! Alors, je peux voir tout ce que je peux mettre au... Oh, les... Clairement, les roses rouges. Oriflamme. Des lampes. Chaque étage a son style. Évidemment, il faut tout récupérer pour tout décorer à fond. Alors, attends, je regarde ce que j'aime bien. J'aime bien. Je vais déjà en acheter un par étage. Oh, le chandelier est magnifique. Ça aussi, j'aime bien. J'essaie de mettre les nœuds partout. Il me reste 6. Eh ben allez, c'est parti pour les ballons. Maintenant, il va falloir choper les dernières étincelles. Là, on voit effectivement les rubans, les ballons au milieu. Alors, les défis des boss. Arme disco plume là. Oh! Battre les poules violettes avant qu'elles s'échappent. Frapper sans faire de raté avec des poules étincelantes. Gagner le combat sans subir de dégâts. Ça nous fait des petites étoiles supplémentaires, des petites étincelles supplémentaires. Oh, la poulette est de retour. Vous êtes qui, vous, et comment vous avez fait pour passer par cette porte? Avec Dame Siran, réécrivez vos histoires, vous comptez nous empêcher, c'est ça? Bon, on connaît, hein. Allez. Il y a un récap sur... Ouais. Battre les poules violettes avant qu'elles s'échappent. Frapper sans faire de raté avec les poules étincelantes. Okay. Donc on va le laisser... en déposer. Première phase, c'est bon déjà. Attention. Ok. Attention. Alors, j'ai un peu peur pour les dernières poules violettes parce que je crois qu'elles m'en balancent 3 directs sur la gauche. Là, à l'envers Alors j'ai loupé les poules violettes. J'avais faire le sans faute là. Sans faire de raté avec les poules étincelantes. Ah, et battre les poules violettes avant qu'elles s'échappent. Bah, j'avais réussi en fait.
J'ai voulu aller trop vite. Je peux pas tout faire d'un coup. Merde, oh puis là. C'est dommage. C'est dommage. Bon, déjà pas mal. Ça m'en fait 2 sur les 3. Puis ils sont longs les boss. Alors, les... Fallait parler quoi, ninja? Mes apprentis sont cachés dans chaque pièce. Sauras-tu relever ce défi des cachettes? Ok. Je regarde s'il y a d'autres trucs secrets. Hein. Répétition épéiste. On va voir ce que c'est, hein. On va aller voir ce que c'est. Je vais bien répéter. Oula. Tellement dans tous les sens que... Ouais. Mais ici, les petits loulous. Non, j'ai fait le 140, non? Et c'est le 140 qu'il fallait faire. J'ai eu du bol, je suis pile poil sur le score. Bim bim bim. Et ben voilà. Ruban pour robe, encore une nouvelle robe. Bah dis donc. Ah oui, les amulettes cœur. Oh, 3 cœurs supplémentaires. Non merci, ça va. Pas eu besoin depuis le début. Admirez mon jeu d'épée. Donc faut trouver les petits ninjas cachés. Ok. Oh, je suis si content de mon travail. Quand la lampe se remplit, j'ai dit un coup d'œil. Ah oui, c'est joli, hein. Ça montre que j'ai quand même encore plein de... Oh. Ah, il faut que je finisse les boss, du coup, pour les avoir là. Oh, elle est pas mal, la robe détective, quand même. La couleur est assez ouf.
Non, c'est quoi collection? Ah ouais, j'adore la robe détective. Costume, bah on a tout. Ah, tiens. Ultra resplendissante. Ah, on a resplendissante et ultra resplendissante. On a toutes les musiques. Elles sont sympas d'ailleurs, les musiques du jeu. Les petites cinématiques. Alors, je vais déjà aller voir au sous-sol s'il n'y a pas de ninja caché. J'ai mis la tenue de détective justement pour pouvoir voir... repérer les ninjas, c'est plus facile en tant que détective. Bon. Même ici, c'est moins glauque qu'avant, du coup. On va voir le portrait de Syrah, j'imagine, là. Bah oui. Bon, personne n'est caché, là. Allons au premier étage. Allons voir ce qui se passe. On a mis des belles roses. Donc comment on trouve là les cachettes, machin? Tu as pas vu ton ami, regarde à un autre étage. Alors, autre répétition. Ah, je regarde cette affaire de... défi des cachettes, là. Je vois personne, hein, en tout cas, ici. Bon, il y a une répétition, là. On répète la pièce du voleur. Plane tout en ramassant les joyaux. Si tu subis des dégâts, la répétition se terminera. Tu recevras une récompense en fonction de ta performance, alors fais de ton mieux. On va essayer. Oui. Ok. Tu meurs à l'impact. C'est Angry Birds quoi le truc. Oh, je me souviens justement de l'étincelle un peu relou à avoir dans ce... avec cette transformation. Bah oui, mais je pensais que... je maintenais vers le bas vu que il y avait du vent, donc je me dis ça me poussait à contre... Bon. Ouais, il aurait pas dû faire ça, mais bon. Oula, j'ai eu chaud. Ah, il te pousse à prendre des risques, hein. En même temps, c'est comme ça qu'on réussit normalement. Hein. Je sais pas comment j'ai fait pour pas être touché. 88. Allez, je retente. On va retenter pour voir.
J'espère que mon 88 soit quand même enregistré. Hein. On va pas avoir fait tout ça pour rien. Allez, prends un peu de risque. Waouh. Ça vaut le coup des fois. Ouais, ah, mais là tu pouvais pas. Là on pouvait pas. On ne pouvait pas. Donc fallait pas essayer. Ou alors fallait que je descende un peu plus. Non. Je peux pas louper celui-là, il rapporte trop. Ça rend fou. Honnêtement, si j'avais fait juste ça, prendre celui que j'ai loupé là, la grande ligne avec le petit bonus au bout, et plus refaire comme ce que j'ai fait au début là pour avoir 88, je pense que j'étais bon. Hein. Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'es monté aussi haut? Qu'est-ce qu'elle me fait là? Elle se rebelle. Allez, force pas trop non plus. Fouah. J'ai voulu y aller, hein. J'ai failli y aller et heureusement que je suis pas allé parce que... Oh non! Oh non! On manque 3. Bon. Faut prendre un peu plus de risques maintenant. Oui. Oh. Enfin, faut que je monte plus vite. Allez, on se concentre. Oh non! Oh non, j'étais tellement bien jusque là, c'est-à-dire que tout à l'heure les 3 que j'ai loupés, ah c'était pas grand chose.
Oh. Franchement, ça va me rendre fou, hein. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Honnêtement, c'était un peu... corsé. Une petite robe à cœur. D'autres répétitions encore. Oh, je peux faire Reptoflash, il est assez rapide comme boss. Pas de retour en arrière, 8 éclats d'étincelles, 100 dégâts. Oh, franchement, c'est pas le plus difficile des boss. Steve a concentré, il n'y a rien qui est question de... Comment dire, faut pas se précipiter, tout ça, donc... Pas de retour en arrière. Ok. C'est quand même... Quand même. Oh là là. Ah mais après, il n'y a pas eu de retour en arrière en fait. Oui c'est ça. Il n'y a pas eu de retour en arrière, c'est juste un blocage. Pas perdre de cœur évidemment. C'est pas parce qu'il y a une attaque qu'il y a un retour en arrière, tu vois. Vérifie, ok, pas de... Bien voir toutes les étincelles aussi au passage. Il va attaquer donc. Voilà, profitez pour avancer. Oups. Mince. Bon, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout avec toutes les gemmes d'étincelles. Et je le referai. Mais là en fait ouais, il faut l'avoir comme ça. Quoi qu'il fait un 8 donc c'est pas... On va attaquer aussitôt. Ouais pas simple du coup. C'est quoi le troisième truc? Sans subir de dégâts. Bah ouais, mais si tu prends aucun retour en arrière tu subis forcément un dégât. Mon lapin.
Ah mais il s'avère que tu peux aussi te prendre la queue en plus en dégâts, oui c'est vrai. Genre là tu laisses attaquer t'avances, tu t'en fous. Là pareil. Et salut Ariana Grande dans le chat. Est-ce que c'est la vraie Ariana Grande vous pensez? Bon c'est bon, j'ai toutes les étoiles. Et bon c'est la seule étincelle que j'aurai, c'est pas très grave. Ariana qui dit j'ai fini le jeu et il est trop bien. Eh bien ouais, je suis d'accord avec toi Ariana, je l'ai fini aussi. Bah là à l'instant, et puis là on fait du coup les petits défis supplémentaires, les défis des boss, les répétitions, trouver toutes les étincelles. Et je rappelle d'ailleurs au chat, également pour le replay sur YouTube, que vous avez la soluce à 100% pour terminer tous les niveaux à 100% sur ma chaîne. Hop, on a les 8 éclats. Zoupidou. Ah, les petites cachettes aussi d'ailleurs. On n'avait encore croisé personne hein, de cachet là. Après, ah c'est peut-être caché dans les niveaux en fait. Moi je me dis c'est caché dans le théâtre, mais j'ai peut-être mal compris ce que m'a dit le ninja. Peut-être refaire tous les niveaux pour trouver des gens cachés dedans. Il est interdit de courir dans le théâtre, mais regarde je fais ce que je veux, je cours. Western. Sauve autant de théâtrins que possible, si une bombe explose, la répétition se terminera. Si tu reçois une récompense en fonction de ta performance, alors fais de ton mieux. Allez, on va tenter ça. Répétition western. On va utiliser le lasso, évidemment. Ça c'est drôle franchement. Mince. Je préfère ce niveau là que le précédent avec le voleur hein. Mince. Niveau en or quand même. Très bien. Très bien, très bien. Une répétition de plus. Pile poil les 45. Je sais pas combien il y a de robes à collectionner au total. Je vais voir pour aller en acheter une autre. Allure. Poum 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 poum. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Un milliard de robes là. Celle-ci est très belle. Allez, comme ça on fait un petit peu de défilé de mode en même temps.
J'aurais pu prendre l'ascenseur, mais bon. Hop là. T'es où ? Projo Miaou, ça va être quoi les objectifs ? Ne pas se faire toucher par la queue ou les pattes du chat. Oh ! 3 souris seulement. En vrai ? En vrai, ça se tente. En vrai, ça se tente. Allez. Allez, on passe. Viens ici. Normalement, là... Oh, bah, ça commence bien, cette affaire. Je crois qu'il remontait la... Je crois qu'il remontait, tu vois, la patte automatiquement à la fin. Mais non, même pas. Ah, mais viens là. Faire comme ça. Déjà ? Attention. Voilà, c'est chiant. Attention, avec la bombe, on peut en plus, on se fait pousser. Ah oui, il y a ça aussi. Attention à pas écraser la bombe, hein. Ah. Look. Viens ici. On commence par ça. Oh non. Ah, c'est honteux. Je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Parce que du coup, j'en ai perdu deux d'un coup là. J'ai perdu celui sans dégâts et celui sans se faire toucher par les pattes machin. Ah, purée. Oh, deg. Ah, je suis dégoûté. On va recommencer, hein. Bim. Ariana qui dit le boss final était peut-être un peu trop simple. En même temps, l'ensemble du jeu est simple, donc ils n'allaient pas mettre un boss final assez ardu. Il est plus là pour le spectacle, effectivement, que pour la difficulté.
Il est peut-être plus simple que les autres boss, c'est vrai. Ah, je suis dégoûté. Dégoûté. J'aurais pu avoir les trois. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a fini le jeu déjà et puis on a commencé à découvrir les petits bonus. Il nous reste d'autres trucs. Bon, faut que je retourne voir le ninja pour voir c'est quoi cette histoire de le ninja qui se cache. Il se cache peut-être dans les niveaux en fait. Et peut-être mal compris. Puis il faut qu'on refasse pas mal de niveaux hein, pour avoir les 100%. Je rappelle, la soluce complète à 100% disponible sur ma chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve bientôt pour la suite de Princess Peach Showtime. Ciao.